Salut, salut, hello à toi aussi, Little Black. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Another Homepage. Comme toujours, je suis Nils. Et on se retrouve, c'est écrit... Hop, oh bah, comme d'habitude, je fais l'erreur, c'est écrit là-haut. Hop. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'automatisation de conteneurs avec Ansible. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Je vais peut-être hop, rapprocher un peu le micro, mais pas trop pour que vous ne le voyez pas. Alors, on va commencer par un résumé, enfin peut-être pas un résumé, mais au moins rappeler l'objectif de cette série de vidéos. C'est ça, faire joujou avec des conteneurs. Alors, de quoi il s'agit exactement? Eh bien, ça part d'un constat. C'est que il est possible d'obtenir pour relativement pas cher aujourd'hui des machines virtuelles chez différents fournisseurs de cloud, parfois même d'avoir des essais gratuits limités dans le temps ou permanents pour des petites machines virtuelles. Généralement, ça va être de l'ordre de 1 giga de RAM, de processeurs virtuels. On va avoir, selon les offres, on va dire une petite dizaine de gigas de disques, parfois un peu plus, ça dépend. Et donc, ces machines virtuelles, on peut en profiter pour mettre un truc assez classique, assez basique, genre, supposons, on met une stack LAMP ou LEMP, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce que je me demandais, c'est s'il était possible d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que un truc que j'apprécie par exemple avec certains fournisseurs, c'est qu'ils fournissent non pas une machine virtuelle, mais un serveur complet dédié. Et dans ce cas-là, on peut isoler différents services en les mettant dans des machines virtuelles différentes. La problématique, c'est que on parle à ce moment-là d'une machine physique et de plusieurs machines virtuelles, alors que à l'instant, je vous parlais de tout simplement juste une machine virtuelle, qui a donc moins de ressources. Et qui est déjà une machine virtuelle, donc on ne peut pas rajouter des machines virtuelles dedans. L'idée, c'est donc d'essayer de mettre en place plusieurs services, alors forcément moins que sur une machine physique, mais de les isoler avec des conteneurs. Alors bien entendu, l'isolation par conteneur, ça n'est pas non plus magique, ça n'est pas aussi efficace que la virtualisation. Et ça n'est pas aussi... de toute façon, même la virtualisation peut avoir des soucis. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que autant on a une isolation pour ce qui est des ressources, pour ce qui est de limiter les ressources, mais on a aussi l'isolation d'un point de vue sécurité, pour empêcher que la compromission d'un service aille, on va dire, contaminer les autres. Dans le cas de la conteneurisation, faut pas oublier qu'on est sur du la conteneurisation, en tout cas les gens, à mon souvenir, quand Docker est arrivé, l'idée c'était de dire attention, ce n'est pas parfait d'un point de vue sécu, ce n'est pas magique, c'est pas parfait, il peut y avoir des risques et ça existe. Et ce qui se passe, c'est qu'on pensait que la virtualisation était un peu plus protégé à ce niveau-là, il y a déjà eu des vulnérabilités qui ont permis de s'échapper d'une machine virtuelle pour rebondir sur l'autre. Donc, ça n'est pas non plus parfait,
mais c'est vrai que c'est déjà un petit peu plus solide. Salut à toi, The Tourist! Et donc, dans cette optique de vouloir profiter d'une machine virtuelle d'entrée de gamme, parfois gratuite, au maximum, donc je me suis dit d'essayer de mettre plusieurs services. Ça peut être plusieurs sites web sur différentes technologies, et ça peut être d'autres choses. Mais l'idée, ça reste toujours d'essayer d'automatiser, en fait. Salut à toi, Aze! J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Donc, voilou un peu l'objectif. Le résumé maintenant des épisodes précédents, si vous les avez manqués, c'est que j'ai donc créé une première machine virtuelle, comme à mon habitude, plutôt sous Fedora, et j'ai voulu popper des conteneurs via Ansible. Et comme je suis plutôt fanboy chapeau, au lieu d'utiliser Docker, j'ai utilisé Podman. Alors, les deux sont, j'ai envie de dire, presque interchangeables, c'est-à-dire que de toute façon, les conteneurs que j'utilise sont des conteneurs Docker. Podman, en gros, pour la faire simple, hein, vous faites alias Docker égale Podman, et normalement, c'est peu ou prou la même chose. À partir de là, j'ai commencé à vouloir mettre en place des conteneurs. Oui, tout à fait, The Tourist, le mot important, presque. J'ai voulu mettre en place des conteneurs, et ces conteneurs, pour l'instant, ils sont au nombre de 3. Il y en a, en fait, pour le moment, 3 conteneurs Nginx, et l'idée, c'était d'avoir un conteneur frontal reverse proxy, qui viendrait donc récupérer tout le trafic, et 2 conteneurs qui viendraient contenir les codes de sites internet que je pourrais vouloir mettre. Pour le moment, on en est, on n'a même pas vraiment essayé de mettre en place un site. C'est plus pour avoir ne serait-ce qu'une page de base. Un autre truc, c'est que à ce moment-là, ce que je me suis dit, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire en sorte que la mise en place de la configuration du reverse proxy soit elle aussi automatisée avec Ansible. Et dans ce cas-là, ce que je m'étais dit, c'est que ben il existe un rôle officiel de configuration Nginx, et je pourrais utiliser ce rôle. Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Eh non. Ben non, sinon c'est pas drôle. Faut bien que je galère un peu quand même. Et donc, ben, on en était arrivé donc il y a 2 semaines, où en fin de session, j'étais en mode « Ah mince, ça marche pas comme ce que je l'espérais. » Et puis on a commencé à bidouiller un petit peu la semaine dernière, et puis je ne sais plus qui dans le chat est arrivé avec une idée fort sympathique d'utiliser un projet qui s'appelle Nginx Proxy Manager. Noter ça tout de suite. Est-ce que je l'avais pas mis d'ailleurs dans les liens du live de la semaine dernière? Hop. Si. Hop là. On va copier le lien. On va aller le mettre là. Et on va vous faire. On va passer par ici. Voilà, voilà. Et donc, bah tiens, je vais vous le repartager. Juste en dessous de l'achievement de Little Black qui a pu voir ce mois-ci 3 streams consécutifs. Merci Little Black de ta fidélité, d'être toujours au rendez-vous. Alors, Nginx Proxy Manager, en quoi ça consiste? En gros, c'est une sorte d'interface web pour faciliter, on va dire, la configuration de Nginx lorsqu'on s'en sert comme reverse proxy. Je sais pas où est-ce que dans l'interface il nous montrait pas des screenshots à un endroit. Screenshot. Voilà. Donc bon, bien entendu, il y a une interface de login pour éviter d'être
que ce soit accessible à tout le monde. Et donc on peut gérer voilà X sites internet. C'est voilà, c'est assez graphique. Et ce que je me dis, c'est que c'est un moyen, comme un autre, de contourner la difficulté, sachant que l'autre possibilité que j'avais, c'était tout simplement de ne pas utiliser le rôle officiel Nginx, de templétiser moi-même mes confs et de les mettre en place. Avec la problématique de gestion potentielle des certificats TLS, sans doute avec Let's Encrypt, mais qui pourrait peut-être être un peu plus, on va dire, ardu si jamais je décide de continuer à utiliser Nginx sans utiliser une interface web de configuration. Je me pose encore la question de est-ce que je devrais utiliser Nginx Proxy Manager ou est-ce que je devrais faire ou est-ce que je devrais utiliser un conteneur Nginx et mettre ma conf moi-même. Je vous avoue que j'hésite encore un peu, en fait. Alors pourquoi est-ce que j'hésite encore un peu? L'idée, c'est que j'ai envie de faire un certain nombre de choses qui soient non seulement automatisables, mais en plus réutilisables. Et je me demande si Nginx Proxy Manager, c'est pas un peu triché. Parce qu'à partir du moment où il y a ce truc-là en place, et ben la création de la création au final des ajouts d'environnement web, les ajouts de différents serveurs en terminologie Nginx, donc de VirtualHost pour celles et ceux qui ont plus l'habitude d'Apache, et ben ce que je veux dire par là, c'est que là on va juste faire clic clic clic, finalement c'est pas de l'automatiser. Donc je sais pas trop. Et The, ça te fait penser qu'il faudrait que tu fasses un truc plus générique pour du Acme Let's Encrypt Vault. Ok. Alors oui, c'est vrai que la gestion de... Enfin, là, en l'occurrence, je me pose pas la question du stockage des certificats. Pour moi, dans ce cas de figure-là, je suis tenté de dire, ce sera pas forcément, si jamais par exemple la VM venait à être détruite, bah, je régénère un certificat. Si je me pose pas la question. Après, je ne sais pas dans quel cas de figure tu parles exactement de Acme Let's Encrypt Vault. Donc Vault, je suppose que tu parles de HashiCorp Vault, qui donc permet de faire du stockage de secrets de façon notamment redondée. Et je suspecte que tu parles de ce setup-là dans le cadre d'une utilisation, on va dire, en ferme de serveur reverse proxy. Enfin, je ne fais qu'émettre des suppositions. Et pendant ce temps, The Tourist, perso, j'aurais tendance à partir sur du 100%, c'est automatique. Parce que ce n'est pas très intéressant. Et plutôt, tente le diable d'avoir de l'UI en redondance de l'automatisation. Attends, je vais la refaire, je vais la relire. Si tu ne comptes pas avoir plusieurs VM qui répondent au FQDN, effectivement, pas vraiment besoin de passer par ce genre de choses en multiserveur utilisant les mêmes. Tout à fait. Tout à fait, The. Non, en gros, l'idée c'est vraiment d'avoir juste... En fait, l'intérêt que j'ai à vouloir automatiser ça, c'est que si pour une raison ou pour une autre, par exemple, je dois changer de crémerie, bah, je repop une VM ailleurs,
je relance la configuration dessus, éventuellement migrer les enregistrements DNS et puis rouler jeunesse quoi. On pourrait partir effectivement sur du 100% automatique. La limite qu'on aura en fait, c'est que en fait je vais sans doute devoir créer des certificats à la mano tant que je vais vouloir rester sur du entre guillemets sur du proof of concept uniquement en interne et que j'utilise pas une VM accessible depuis l'extérieur pour notamment par exemple éviter que des petits malins aillent DDoS la VM par exemple. Bien. Est-ce que parmi vous il y a des gens qui sont plutôt de l'avis de The Tourist, qui seraient plutôt en mode non mais vas-y pop des conf Nginx et puis on fera du templating, ce genre de choses là. Ce qui me permet de rester par exemple en HTTP dans un premier temps et puis la problématique HTTPS on pourra éventuellement l'aborder vite fait en mettant des certificats autosignés. Et puis un jour, peut-être que je me prendrai de déployer ça en live sur un serveur public. Et à ce moment-là, on commencera à mettre du Let's Encrypt dans la partie Ansible. Parce que j'avoue, c'est plutôt tentant. Tu aurais vraiment des DDoS avec du juste. Tu peux coller un truc frontal qui redirige .wln vers ta VM. Alors, non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que si je me mets à mettre en place un service qui est accessible publiquement, et que je fais des tests en public, il se peut qu'il y ait des gens juste pour le plaisir de faire, comment dire, de faire, d'empêcher le stream de se dérouler correctement. Je ne sais pas, j'ai pas encore été, pour le moment, je touche du bois, j'ai pas vraiment été cible de tentatives de perturber le stream de façon durable, je touche du bois, hein. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Juste des gens que ça amuserait et qui décideraient de faire tomber la VM chez... je sais pas moi, supposons que je prenne pour 1 ou 2 euros une VM chez OVH, tu sais, un petit VPS à pas cher, ou que je prenne un truc chez Google ou Amazon, voilà. Alors après, si c'est chez Google et Amazon, bon, il y a peut-être moins de risques que je me fasse des DDoS, mais bon. À partir de là, l'idée, c'est pas d'auto-héberger chez moi. Là, pour l'instant, on fait dans une VM qui est ici, en local, parce que ça facilite, on va dire, le développement. Et je mets juste des sites web en mode example.com. Mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien, pourquoi pas, déposer quelques sites que j'ai qui traînent, qui font quelques vues ou pas de vues, ou des petits projets comme ça, en site statique, sur lesquels j'aurais pas de problème, quoi, même s'ils tombent. Bien, et ben dans ce cas-là, je pense qu'on va partir oups, j'ai oublié des trucs. Alors ça, c'est là, le chat je l'ai. Et est-ce que je peux avoir un petit retour vidéo? Oui, j'ai un petit retour vidéo. Alors. Déjà, je vais me connecter. Hop, automated VPS. Alors, je peux avoir une résolution publique quelque part qui peut se prendre un DDoS avec un reverse proxy. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça demande du boulot, plus simple de faire du self-signed. Tout à fait. Salut à toi, Truzerk. Alors, que faisons-nous ici? Eh bien, en fait, ce soir, on fait du Ansible et des conteneurs dans l'esprit d'essayer d'automatiser différents services
sur une petite machine virtuelle. Une petite machine virtuelle. Et pour le moment, hop. Alors, t'as de la chance, Truzer, qu'on a démarré il y a 20 minutes. Hop. Alors. Je vais plutôt rester ici. Là, je vais revenir dans le... Bah, de toute façon, je vais revenir dans le même coin, en fait. Tiens, d'ailleurs, ce qu'on va peut-être faire aussi, c'est... Je vais vous filer le lien vers le dépôt du code, parce que quand je produis du code en direct sur Twitch, je fais mon possible pour que celui-ci soit disponible et soit disponible sous licence libre. Donc, hop, voici, voilà le dépôt sur GitHub. Comme ça, vous pouvez aller voir, vous pouvez... j'ai envie de dire, vous pouvez proposer aussi des modifs, hein. Non, il n'y a pas de pull request actuellement. Il n'y a pas eu de fork non plus. Mais si ça vous chante... Je sais que pour d'autres projets, j'ai eu quelques contributions et ça m'a fait très plaisir. Où en étions-nous ? Rôle VPS. Non, j'ai dit. VPS. Task main.yaml. Alors. Et ensuite, playbook. Voilà. Ah oui, j'avais fait des tags. On avait fait les tags Podman, les tags Nginx. Ok. Et sur ici, on va se connecter. Voilà. Alors forcément, mon thème aussi n'est pas là. Ok, container reverse proxy, container site 1, container site 2. Et elle doit être en 10.13.37, je crois, hein. ENP1, S0. Non. Ah, ETH0. ETH0. 10.13.37.149. Ok. Donc... Je prends ça, et si je suis un HTTP sur cette IP, j'ai mon VHost par défaut. Et si je fais un site 1.example.com, j'ai, hop, vous voyez ici, site 1. Et ça, c'était le VHost par défaut. Donc j'avais mis dans un server containers, j'avais un rive, non pas proxy manager. Reverse proxy. Tac, tac, tac. Alors, on va réfléchir un petit peu à cette configuration. Pour le moment, si je fais juste un Ansible playbook et que je fais un moins C comme ça, normalement, j'ai juste le check. Normalement, ça devrait être bon. Normalement, on est... Ah. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire-là aussi. Failed, could not find or access home needs document project. Ah oui, c'est vrai que ça, j'avais voulu essayer de mettre... Oui, c'est la problématique qu'on avait. Donc, on va peut-être déjà commencer par finalement faire du ménage. C'est-à-dire se débarrasser un peu de tous ces trucs-là. Hein ? Ça, c'est triste, mais allez, hop, ciao. Ensuite, si je relance mon Linux. Est-ce que on va avoir d'autres choses qui... Nous avons donc... Alors, il y a un qui serait change, un qui serait skip. Bon, le change, c'est run containers list. Bon,
Ok. Ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs, tiens, histoire de penser tout de suite à la partie HTTPS pour plus tard. Qu'est-ce que j'en ai fait des... Ah bah oui. Alors. Au lieu de faire juste les tâches, on va rajouter vars handlers. Hop, voilà. Donc là, j'ai toujours mon fichier de task. Ici, j'ai mes containers. Voilà. Et ici, j'ai mon reverse proxy. Et on va lui rajouter 443. Hop. Si je reviens ici, cette fois-ci, il va falloir changer un peu tout ça. Donc j'enlève le moins grand C qui fait check. Pour lui dire, cette fois-ci, tu bosses. Donc il va me repopper de toute façon les conteneurs. Ok. Ce que je vais vouloir faire aussi. Merci beaucoup pour le follow d'Alf. Merci à toi, c'est très gentil. Ce qu'on pourrait envisager. On pourrait envisager, ça va être, si je reviens ici, role VPS, je pense que je vais faire un mkdir moins vp, role VPS, on va faire un template, et dans template, ce qu'on va faire, je pense, on va faire reverse proxy. Non, on va mettre reverse proxy, on va faire virgule, on va faire site 1. Alors, j'hésite. Ouais, non, je vais faire les FQDN, je vais mettre les FQDN. Site1.example.com, virgule, site2.example.com. Ce sera déjà pas mal. Et dans la mesure où il se peut que je mette autre chose dans l'absolu que la config Nginx, je vais créer un répertoire Nginx à chaque fois. Voilà. Et je me suis trompé. R1-RF1, hop là. Et on va lui faire sauter ça. Et juste pour la blague, on va reprendre. Et en fait, c'est parce que ici... Je m'étais trompé, j'avais mis un point au lieu de la virgule. Et là, si on fait une virgule, j'ai bien mon site 1 et mon site 2 en example.com et un répertoire Nginx de temps. Donc si je fais un petit tri sur mon répertoire template, enfin role VPS template. Ok, ça c'est bon. Maintenant, on va aller dedans. Ici, Nginx. Et on va pouvoir mettre notre conf. Et pour le moment, ce que je vais vouloir faire, c'était quoi? C'était VPS 0 et on est là-dedans. Reverse proxy slash conf.d. Étoile là-dedans. Non, même si en l'occurrence, on a. Là, il nous faudrait un fichier nginx.conf et on va faire un mkdir. Il me faudrait aussi un docroot, effectivement. Ou pas. Ça va dépendre des. Ça va dépendre. On va peut-être pas faire un docroot maintenant.
Peut-être, on va voir. Déjà, je vais me concentrer sur la conf, ce sera pas mal. Donc, comme a priori, alors ce que je voudrais faire, c'est faire un mkdir là-dedans, qu'on va appeler orig. On va faire un cp-vp de étoile dans orig. Ah oui, c'est vrai que... C'est vrai qu'il y aura cette petite problématique de module. Et il faudra que je pense à créer un lien symbolique. Puisque l'idée... Ce que je me dis, c'est que je vais vouloir... Je vais vouloir dire, au niveau du conteneur, on va créer un répertoire conf au lieu de conf.d sur le file system. Et je dirais le conf nginx va correspondre au slash etc nginx du conteneur. Il faudra que je pense à dire, au fait, créer un lien symbolique module. Je dois avouer que je suis pas ultra fan de cette manière de faire là. Pour l'anecdote, c'est un conteneur Debian. Hein. Si je fais un cat etc Debian version, le conteneur officiel, puisque ça c'est un conteneur officiel nginx de mémoire, qui tourne donc sous Debian. Et alors j'y suis pas encore, mais je me demande si je vais pas essayer de faire d'autres conteneurs moi-même. Mais déjà, on va essayer avec ça. Et donc, ici dans mon Nginx, je peux faire un mv de orig. Alors, je peux faire un mkdir conf.d. On va faire un mv de étoile.conf dans le conf.d. Voilà, comme ça j'ai tout ça. Et on va faire un mv de orig étoile là-dedans. Et normalement, ça c'est vide. Donc là, j'ai une arborescence Nginx complète. Voili, voilou. Alors, ce qu'on va faire, peut-être... ce qu'on pourrait faire, c'est... Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Alors, on a varlog nginx, ok, ça c'est bon. Catchall.conf. Ah oui, c'est vrai qu'on avait mis un stop status. Ok. Pourquoi l'access log? Ah oui, alors ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là. Voilà, là, c'est bon. On a a priori ce qu'il faut de base. Je crois que le foobar il était vide, ouais. Et dans ce cas-là, dans conf.d, site1.conf va être site1.example.com.
par MV de site 2 en site 1. Hop. Voilà. Donc le catch-all de tout à l'heure, on l'a vu. Site 1, qu'est-ce qu'on a dedans? On a deux listen. Server name. On a un location avec un proxy pass. Et le deuxième. Bah, le deuxième, il ressemble à la même chose. Il ressemble aussi. Et bien, dans ce cas-là, on va pouvoir revoir un peu nos conteneurs. Et on va l'appeler reverse proxy. Et ce qu'on va dire, c'est ici. On a dit conf nginx. Et ce sera etc nginx. Tiens d'ailleurs, hop. Doc root log conf. Jusque là tout va bien. On pensera peut-être un peu plus tard à la rotation des logs d'ailleurs. Donc ça c'est à peu près bon je pense pour le reverse proxy. Mais il va falloir qu'on aille déposer ces fichiers. Est-ce qu'on aurait quelque part Ansible rsync. Est-ce qu'il y a moyen de synchroniser toute une arborescence? Synchronize module. Voilà, parfait. Nickel. Ah, ça c'est les variables. Là, on va avoir une tâche. Donc, relative path, et ben on sera dans le rôle, donc ça va être template reverse proxy nginx. Et la destination ce sera donc srv containers reverse proxy. Alors pour l'instant c'est encore underscore, hein. Faudra peut-être que je change ça après. Je dis reverse underscore proxy et on a dit conf nginx. Et je mets un slash et un slash à la fin. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention avec ce rôle. A priori, on peut le faire en destination vers du rsync ou depuis un 1, ok. Archive. Récursif. Ah oui, si on ne veut pas faire du récursif, mais en l'occurrence, ça m'intéresse. Ah, je pourrais même décider de rajouter le lien symbolique. Alors pour le moment c'est pas totalement sûr.
Je pense que je vais vouloir mettre les deux. Alors c'est vrai qu'en statique, rien ne m'empêche de faire du virtual hosting classique avec Nginx, hein. Mais ce que je vais vouloir faire aussi, c'est mettre à côté d'autres conteneurs avec d'autres services. Je pense par exemple essayer de mettre un OpenVPN, un Paywall par exemple, en conteneur. Je peux faire un delete à trou, un récursive à trou, ça peut être pas mal. Oui, tout à fait. Tout à fait. Un exemple de site statique, c'est très simple. C'est très simple. Anotherhomepage.org est disponible, c'est un site statique, et c'est disponible en plus en dépôt sur Git, sur GitHub. Je peux même le montrer dans les repositories. Hop. Même dans une nouvelle fenêtre. Pas un move. Voilà, move tab, new window. Hop, voilà. Il est là. Et après, il faudra que je pense à. Enfin, si je décide de faire un truc en déploiement, penser à ajouter notamment la partie. Créer, faire la publication, installer un truc comme HTMLmin et UI Compressor, ce genre de choses-là. Ou je peux juste tester avec le code HTML tel qu'il est actuellement dans le répertoire content avec voilà, l'index. Tout simplement. Hop. Après, il existe aussi d'autres... comment dire ? On pourra toujours essayer avec d'autres exemples, notamment alors sur GitHub. Vous pouvez trouver aussi un truc qui s'appelle Link Free. Hop. Voilà. Tiens, je vais même le paste hop, dans le chat. Merci beaucoup pour le follow, ItemB. Merci à toi, c'est très gentil. Et ça, c'est assez sympa, vous allez avoir plein de templates dedans. Et forcément, moi, je me suis basé dessus hein, pour ma page d'accueil. Et alors, lui, il montre pas des... Non, il a pas de psy, il a un preview.png. Hop. Voilà. Donc ça permet de se faire des alternatives à Linktree, qui est en gros sa page d'accueil personnalisée. J'aime bien. Tiens, je vais d'ailleurs en profiter pour le rajouter dans les liens du live. Ça va être l'occasion que je vous parle un petit peu, hop, du serveur Discord de la chaîne que vous pouvez retrouver là. Et si vous faites, par exemple, point d'exclamation, socials, vous allez trouver justement ma page d'accueil, si on peut la réafficher, où vous trouverez ma présence sur tous les réseaux sociaux, si jamais vous voulez discuter entre deux streams, et aussi... le lien cliquable vers le serveur Discord, dont l'accès est bien entendu ouvert à toutes et à tous. Où en étais-je, moi? Je voulais déployer ma conf, et je voulais faire du récursif, je crois, et je voulais faire du delete. Ouais. Et la question que j'étais en train de me poser, c'est, vu qu'a priori, on peut aussi mettre les liens... hop, si je zoome un peu, voilà, on a un links à trou. Et ce que je me dis, c'est que je vais peut-être rajouter, même si de fait ce sera un lien cassé, si je reviens ici, que je reviens dans le... Hop, comment ça... Ah bah oui, forcément, je l'ai quitté, mais si je remonte, je dois l'avoir encore dans les... Non. C'était quoi? C'était usr lib module, non? C'est un truc dans le genre, non? On va redémarrer le conteneur pour en avoir le cœur net.
USRLib Nginx module. Donc ce que je peux faire ici, je peux faire un ln-z de ça en module. Faut que je fasse un peu avant. Ici, ln-sv de ça en point slash module. Voilà. Il est rouge, c'est parce qu'il est cassé. J'ai un trou de mémoire. Exa. Ah non, c'est pas ça que je veux. C'est pas. C'est pas ça. Exa moins help. Qui est censé. Group by binary. Voilà. Exa-L qui m'affiche bien que c'est un lien cassé. Ok. Donc a priori, si je peux... Si je synchronise tout ça, ça devrait être pas mal. Mais on va peut-être le mettre avant, histoire que notre conteneur démarre. On va le mettre ici. Et on va faire un tag. Et le tag, on va l'appeler... je sais pas, on va l'appeler config. On va l'appeler config. Enfin, on va même mettre deux tags. On va mettre un Nginx. Ça m'a l'air pas mal. Allez, on va la tenter. Allez, on est optimiste. Ah, eh ben non, il en veut pas. Pourquoi? Pourquoi? Où est-ce qu'il s'est trompé? Ouais. Enfin, je vais le relancer pour voir des fois que ce soit les... juste le premier à cause des messages d'erreur de rsync. Non. Alors. Receiver, mkd, srv, container, reverse proxy, conf, nginx, failed, no such file or directory. Ah d'accord, c'est qu'il faut que je crée le répertoire d'avant. Avant, normal. Normal. Ce qui me fait d'ailleurs penser que... qui me fait d'ailleurs penser que je me demande si j'ai pas les volumes. Alors, il s'est planté où? Il s'est planté sur la conf, sur la sync, ok. Sur la synchro. Et ça c'est les handlers, ok. Base volume directory. Et ensuite, je crée les volumes directories. Path, items, item. Voilà. Donc là, déjà, ça te conf. Alors, est-ce qu'il va vouloir que je crée Nginx? Voilà, donc là il a créé un répertoire de conf. Ah.
Voilà. Hop. Et ensuite, je pense qu'enlever le slash devrait suffire. Parce qu'il va comprendre qu'il faut le créer. Non, toujours pas. No such file or directory. Ok. Wow, on va le créer, hein, le répertoire Nginx. Alors, ce qui m'embête, c'est tous les conteneurs n'auront pas forcément un répertoire Nginx. C'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais... Je me serais pas trompé en plus là-dedans, non? En fait, ouais, c'est bien ce que je me disais en fait. Template, non, rôle, VPS, template, reverse proxy, Nginx. Ok, donc non, non, c'est bien. On est certain que c'est sur la destination. J'ai perdu mon... Il dit quoi? MK... Non, il dit bien le mkdir. Il n'arrive pas à faire un mkdir du répertoire Nginx. Ah, il a pas créé de répertoire conf. Il a créé un conf.d mais pas de conf. Comment ça se fait ça? Je lui ai bien changé le truc, hein. Je lui ai dit conf maintenant. Conf. Bah, je vais le relancer dans ce cas-là. Non, il me dit OK, je crois. Hein. Podman volume, base volume directory. Volume directory conf.root log. Et quand je lui dis base volume directory, create podman volume directories. C'est fou ça, on arrive encore à des problématiques de création de répertoire. Alors remarque, il y a juste écrit conf comme ça. Volume, SRV. Non, ça c'est site 1, site 2. Donc il est censé me créer un server containers reverse proxy conf nginx. Alors est-ce que c'est juste que je me suis trompé dans les... No such file or directory. Pourtant il est censé faire un... Ah, il est censé les créer en plus. Il est censé me prendre donc les répertoires que je lui donne dans les variables. Ici. C'est étonnant. Il me dit OK, mais ce n'est pas le fait.
containers volume directory. Ah non, il me prend. Non, non, en fait, volume va se dire item 0.name, item 1. Donc il loop sur la liste des conteneurs. Pour le item 0.name, normal. Et ensuite, il zip volume directory. Et donc volume directory, c'est ça. Donc je devrais avoir un conf, un docroot et un log. Alors, par acquis de conscience, je fais tout sauter. Voilà. Ah, mais attends, j'ai un répertoire reverse proxy. Et juste log. Alors, peut-être que je fasse attention. Je vais donc reprendre. Donc là, je l'ai bien appelé reverse proxy sans underscore. Je vais peut-être l'appeler avec un underscore, ce sera peut-être plus simple. Et donc ici. Voilà. Ensuite. On a bien. Tiens, ici aussi on va dire name. On va quand même pas passer 2 heures sur ça. Ah bah si, on va passer 2 heures sur ça. Hein. Ah attends, SRV container. SRV container. SRV. Oh punaise. Non. Voilà. Ok. Allez, on va espérer que c'est ça, hein. Ok. SRV containers reverse proxy. Donc là, il me fait bien un change. Il me fait bien un change. Et il m'a juste créé le répertoire log. C'est dingue ça. Pourquoi il ne me crée que le répertoire log? Est-ce que ce serait la boucle qu'il faut que je refasse?
bah allons-y, hein, Ansible nested loop. Hein. Alors, standard iterating over a dictionary, registering variable, non. Complex loops, iterating over nested list. Looping over inventory, ok. Alors, ah, c'est ce que j'avais fait, list 1, pipe zip, list 2. Mais avant, je faisais pas forcément un with together, je faisais juste un with, je crois. Ou alors je le fais en loop dictionary dict sort. Ah non, je faisais des nested avant, non? Ce serait list 1, product, list 2. Donc ici, ce serait product. On va le tenter, hein. Alors pour celles et ceux qui se demandent, donc je ne suis pas un expert en Ansible, hein, loin de là. Et j'apprends en même temps que vous. Si certains se disent j'ai envie d'apprendre Ansible, j'apprends aussi. Je l'ai bu un peu tard. Et a priori, on serait bon là. Hein. On serait bon. J'ai ma conf Nginx. Ça appartient à l'utilisateur Nils. Ok, soit. Soit. Ah, mes conteneurs sont pas démarrés? C'est étonnant ça. Run containers list. Il les enable, mais ils sont déjà enablés. Alors, hop, je me suis trompé. Hop là. Ouais, je faisais des nested à une époque. Ouais, non, il... Non, le... Alors, je vais faire un truc moche, je pense. Je vais rebooker la VM. Salut Marie-Chaussée, bienvenue.
Ah. Pourquoi il aurait fail, lui? Failed to start. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi ici? Pourquoi est-ce qu'il se plante? Il m'en envoie des logs, hein. Etc nginx nginx.conf failed no such file or directory. Ah bon? Conf.dedefault. Ouais, mais c'est pas grave. Il n'arrive pas à le lire. Est-ce que dans les droits, j'aurais pas des bêtises? Non, nginx.conf, il y a bien en 6.4.4 et dans. Ah, mais j'ai un répertoire. Ok, d'accord. Ok, ceci explique cela. Alors. Déjà, on va faire ça. Ensuite, on va revenir sur. Dans ce cas-là, faut que je lui dise ici. Voilà. Et on va relancer le playbook. Donc il me recrée. Ok. Il run les containers. Disenable. Bon, après. Podman PS. J'ai bien un reverse proxy, j'ai bien deux sites. Ok, c'est cool. Et si je refais un exec dans le reverse proxy, je suis bien dedans. ETC Nginx. Ça, c'est bon. Ah, effectivement, tout appartient en 5001-1000. J'ai envie de dire, pour le moment, ça pose pas de problème. Il m'a même rajouté. Tiens, je vais aller regarder dans le. Justement, dans le truc rsync, voir s'il n'y a pas moyen d'exclure. Ah voilà, il a changé le truc parce qu'il a vu que j'ai fait un delete. Normalement. Ah bah oui, forcément, il a quitté le truc. Voilà, là c'est propre. Et si jamais je veux, est-ce qu'on a des exclusions? To exclude, you may add point rsync filter. Alors. Je pense qu'on va faire un rsync opt et dire exclude.
Parce que là, honnêtement. À moins que je mette un point AirSync et filter et que je mets étoile tilde dedans. Moi, je pense que je vais plutôt faire un AirSync opt avec un moment exclu d'étoile étoile tilde. Ok, donc là j'ai une conf. J'ai une conf. Et sans doute que ce que je vais vouloir faire, c'est faire des synchros de conf pour tous les. Pour tous les. Pour tous les. Pour tous les conteneurs. Donc on va se rajouter une loupe, hein. Et donc notre loop va être template. Bah ça va être item.name. Hein. Est-ce que je le ferai pas comme ça? On va le tenter comme ça, on va voir ce que ça donne. Recursive link se trouve et on va juste mettre la SRV containers, ça c'est ça. Et il va me falloir le item.name. Et il va falloir penser à mettre des côtes partout. Et là, a priori, j'ai juste à boucler sur la liste des conteneurs. Oh bah tiens, je l'avais en dessous, ok. Allez, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui te semble plus propre et plus visible ou lisible, The Tourist? Les loops par rapport au nested? Je crois que j'ai un peu oublié de faire des répertoires de conf pour les. Le fait d'utiliser l'option de rsync plutôt qu'un fichier caché dans le répertoire source. Ok. Ah, et puis en plus, je les ai appelés site1.example.com et pas site 1 ou site 2. Donc.
Et ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va faire un touch dans role VPS template site étoile slash nginx. Et on va faire un foobar.conf. Ah bon? Allez, on va le retenter. Ah, là tout de suite, c'est mieux. Et donc normalement, si je reviens ici, ok, donc j'ai mon foobar dans les deux cas. Ok, cool. Ça, c'est beaucoup mieux, je pense. Ok, donc là, déjà, comme ça, je vais pouvoir mettre une config Nginx en plus. Enfin, des config Nginx en plus. Donc, je vais pouvoir faire. Je vais faire ça. Et je vais lui mettre site 1. Globalement, ça se passe plutôt pas mal. On en est où au niveau du code? Ouais, bon. Salut Nebed. Alors, OS2. J'ai pas connu OS2. J'ai vaguement touché, vraiment anecdotiquement à Windows 95. Anecdotiquement aussi du NT4. Bah écoute, ça va plutôt bien, et toi? C'est gentil de passer nous voir en tout cas. Alors, bon, j'ai les swaps, ça c'est normal, les tildes c'est normal aussi. Donc j'ai les répertoires, et bah à la limite je vais mettre des fichiers nginx.conf en fait. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un role vps template. Et dans template, on a reverse proxy, nginx. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je récupère. T'as touché à Windows 95 et OS2, t'es même pas l'un et l'autre. Ah, mais je.
Disons que j'ai vu Windows 95 après Windows 98. Donc forcément, j'étais en mode, ouais, bah oui, forcément, c'est la version d'avant, donc c'est vachement moins bien. C'est, oh, il manque plein de trucs, hein. J'étais en train de me faire vouloir faire un CP, mais en fait, je suis en train de me dire, ouais, non, je vais même carrément faire une synchro, en fait. T'as 260 ans. 260 ans. Ah bah oui, l'époque de DOS. Qu'est-ce que... Ah oui, je voulais essayer de mettre des conf Nginx pour les back-end. Juste des confs de base, mais juste histoire de dire qu'ils synchronisent aussi les confs et qu'on va pouvoir les déployer aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur la conf du reverse proxy, je vais juste ensuite faire le ménage. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans Nginx et que je peux faire un RM déjà du foobar. Et je peux faire un rsync.avp moins moins on s'en fiche en fait point point slash donc du reverse proxy nginx et donc conf.d site étoile et ici à ce niveau-là qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ah mais c'est ballot. Ah oui si je... Ah j'aurais pas dû effacer les mince. Et là, en fait, au lieu d'avoir un proxy pass, et eh ben route chercher Nginx HTML en fait. Comment je lui mets le docroot user share nginx html ouais donc ça peut dégager ouais ça dégage tiens je me rends compte que j'ai pas mis les access et les erreurs log dans la conf des reverse proxy log format, access log. Non, faut pas le mettre là, faut le mettre ici. Il y a un access log et il y a un error log aussi quelque part. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire que ça va être var log nginx et on va l'appeler site 1 underscore access log. Hop, site 1 underscore error log. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Et le catch all, bah le catch all de toute façon. On va laisser le catch all. J'ai un doute sur la conf de 80. Ouais, ok. Allez. Une fois que ça c'est fait. C'est 2.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire... voilà. On va dans Nginx. Confondé. On fait un MV du site 1 en site 2. Et ensuite, deux points. Hop là. On va dire... tout ce qui est site 1, ça devient site 2. Voilà. Donc si je reprends ici, j'ai bien ETC Nginx qui est monté en volume. J'ai bien mes logs, j'ai bien mon doc route qu'il faudra que je peuple à un moment de toute façon. Et maintenant, eh bien, ce que je peux faire, c'est... relancer mon playbook. Et on va voir si mes conteneurs continuent à démarrer. Alors, il me fait pas mal de changements. Mais c'est attendu. Pour le principe, on va le relancer le truc, mais à mon avis, à part me repopper les conteneurs, il va pas se passer grand chose. Et surtout, on va pouvoir vérifier par exemple si l'exclusion fonctionne. Tiens, c'est marrant, ouais. Bon, il refait des changes. Ok. Il m'a fait quand même fait des changements. Alors. J'ai bien mes trois conteneurs qui tournent. Ça, c'est cool. Si je vais là-dessus et que je tente de rafraîchir déjà ça. 403 Forbidden, ça, c'est normal. Et normalement, on va se manger aussi un 403 Forbidden. Ah, 404 Not Found. Ok. Alors, pourquoi? Bah, c'est très simple. Hein. C'est, il manque les... j'ai fait sauter les index, donc c'est logique. Donc on peut jeter un œil quand même dans les logs. Si je vais dans et là je peux voir 404, 404, 403, ça c'est plutôt bon signe. Et l'error log bah, en toute logique. Ok. Et là, forcément, bah ouais, 404, logique. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il m'a fait un get slash en HTTP 1.0. C'est un peu dommage. Faudra que je vois la configuration. Mais à la limite, la configuration Nginx en elle-même... la configuration Nginx en elle-même. On pourra peut-être la voir lors d'un prochain épisode. Mais avant... avant, il y a un truc que je voudrais vérifier. Je savais bien que j'avais fait de l'Ansible Lint à un moment. Hop là. Alors déjà, est-ce que je, si je fais... allez, un Ansible Lint, je sens que ça va être comique. Oh là oui, j'en ai fait des bêtises. J'en ai fait des bêtises. On va les corriger. Hein. On va les corriger. Use FQCN for built-in module actions. Alors, ce que je vais peut-être faire... ce que je vais peut-être faire, c'est lancer un Tmux. Voilà. Je vais relancer mon Ansible Lint et pendant qu'il tourne, hop. Alors, on va regarder un peu
Alors, too many blank lines, ligne 38 du main.yaml dans les variables. Ok. Ça va, c'est pas très difficile. False or true. Ah oui. Main.yaml, ligne 30. Non, c'est... T'es sûr que c'est... Ah oui, c'est dans les vars aussi. Ok. Je reviens ici. Ici, ligne 30, recreate. Donc les recreate, ça devrait être à true à chaque fois, en fait. Hop. Ensuite, je vais relancer le biniou. Le task main.yaml, ligne 95. Ok. Bon, jusque-là, il se plaint de trucs assez faciles à gérer, hein. Et ensuite, je peux faire un pipe less. Alors, histoire de voir les premières là-haut. Alors, should change default metadata author. Ah, dans les metadata. On a dit roles, VPS, meta, main.yaml. Ah, bah oui, forcément! Automate VPS Management. Hop, licence BSD 3 close. Ok, on repart. Parce que si c'est juste la partie méta qui l'embête, ça va quoi. Meta no info, role info, should contains, platform main.yaml. C'est dans le meta. Alors. Platforms. Ah oui. Alors, je suis tenté de vouloir mettre all, mais ce qui est un autre truc. Deux points n'est pas un string. Allez, c'est reparti. Syntaxe error. Ça, c'est bon. VPS, on a dit meta. Ah, il faut qu'il y ait trois tirets au début du document. Allez. Ensuite, comment ligne 21. Ouais, non. Ah oui, mais c'est... Oui, forcément, j'avais changé le truc. Hop. Une ligne trop longue. Ligne 52. Ouais, donc en fait, c'est juste à cause des commentaires. Ah, mauvaise en intention, ça m'intéresse. Ligne 32 et 34. Ah bah oui, forcément.
Voilà, là, ça devrait être mieux. Ah, non. Ligne 31, il exp... Ah, attends, ligne 34 déjà. Mauvaise indentation. Il attendait 9, il a trouvé 7. C'est pas ce qu'indique l'exemple. Ça m'embête un peu. Et ligne 31, erreur de syntaxe. Ligne 31, il a une erreur de syntaxe. Ah mais attends, j'aurais pas oublié un truc ici. Voilà. Alors, les versions interprétées comme float dans le YAML. Ah, tu t'es fait piquer, d'accord. Le P de plateformes n'est pas aligné avec le G de... Ouais, effectivement. Bien vu, The Twist. Salut, Al Bundy. Alors, donc ça après les commentaires non indentés, les lignes trop longues. Bon, ok. Mais la plupart du temps, c'est du. Allez. Qu'est-ce que tu mets? Ah, je suis peut-être un peu trop old school avec VI, Al Bundy, mais chacun. Chacun son truc. Perso, je sais pas si je supporterais Visual Studio Code. Mais après, chacun son truc, hein, encore une fois. Alors... Trois fêlures, c'est bizarre cette affaire. Une 4. Ansible built-in.service ou Ansible legacy service. Donc on revient sur le handler. Ah. Ligne 4. Ah oui, d'accord. Hop. All name. Ah oui, d'accord. Donc en gros, à chaque fois les noms doivent commencer avec des majuscules. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un warning. Schéma. Meta name Fedora version 37 is not valid. Ah bah je vais mettre all hein. Voilà, zéro failure, zéro warning. Là on est bien. Ah mince, il m'a... Ah j'ai pas de git ignore, tiens.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Et donc, on lui dit qu'on deploy nginx config files and ansible lint. Hop. Est-ce qu'il m'a push des... Qu'il me push des fichiers si je fais un petit find.-iname étoile tilde. Ah, bah alors je sais plus faire de tilde. Comique celle-là. Voilà, c'est pas très classe, mais au moins c'est fait. Au moins, y a pas des trucs avec des tildes qui traînent. Et normalement, je les remettrai pas à nouveau. Bien, 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 bien. Mais c'est que ça avance pas trop mal, dites donc. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'avancer d'autre relativement facilement ce soir? Parce que j'ai pas envie de commencer à me lancer dans les configurations Nginx. Je pense qu'on pourrait y passer tout le stream de la semaine prochaine éventuellement. Et encore. Mais dans l'immédiat, est-ce qu'on aurait d'autres petites modifs? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les... Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait se... Parce que globalement, où est-ce qu'on en est? On va peut-être essayer de faire un petit état des lieux quand même. On a a priori on a trois conteneurs Nginx, deux sites web, enfin des conteneurs plutôt web avec un reverse proxy et deux back-end. Pour l'instant, j'ai pas de contenu, mais c'est vrai que ça pourrait être une idée d'en mettre. Et a priori, notre rôle arrive à déployer les trois conteneurs, à faire en sorte qu'ils se rallument au démarrage. Il fait des boucles, ce qui est plutôt pas mal, comme ça je peux rajouter les conteneurs facilement.
suis en train de me dire que ça avance pas trop mal finalement. Donc il y aura les confs Nginx à essayer d'améliorer. Et puis après, ouais, rajouter une éventuelle partie Let's Encrypt, ce genre de choses-là. Peut-être essayer de mieux variabiliser les choses, non? Oh, quoique, j'ai déjà bien. Ouais, il faudrait que je vois pour déployer des trucs. Faudrait que je vois pour déployer des trucs. Ah bah oui, bah tester correctement les choses, effectivement. Alors ma partie test, pour le moment, elle est vide de chez vide. Non, c'est rôle VPS. Test, effectivement. Merci beaucoup pour le follow, Albundy. Merci. C'est gentil. Effectivement, la partie test, va peut-être falloir qu'on l'écrive aussi. J'aurais peut-être dû le faire un peu plus tôt, mais. Tiens, de fait, on va pouvoir retirer un requirements aussi. VPS, on a dit, et requirements. On n'a plus besoin de ce truc-là. Voilà. Je suis en train de me dire qu'il va peut-être falloir que je passe sur un truc online et que je me prépare des FQDN de test pour faire un truc qui fonctionne. Et que je me trouve une IP jetable. Ça doit pouvoir s'arranger, je pense. En gros, je déploie trois services systemd. Alors, je déploie trois conteneurs pour l'instant. Un reverse proxy et deux serveurs web. Et donc, les deux serveurs web écoutent derrière le reverse proxy. Je peux te remontrer le code. Donc, déjà, je commence par installer Podman et bon, je mets SELinux en permissif à cause de petits soucis. Je crée un subnet pour les conteneurs. Je crée un volume de base qui va bah justement qui va contenir les répertoires de travail. Je crée donc les volumes de mes conteneurs. Je synchronise les confs dedans. Et là, je crée les conteneurs via le rôle Podman. Et il se trouve que ces trois conteneurs. Alors, si je vais dans les variables. Tu vois qu'à chaque fois, le conteneur, il a un, le nom, le conteneur, il a un nom, il a une image. Donc, dans ce cas de figure-là, pour l'instant, les trois images sont les mêmes. Il y a juste deux, un site 1, un site 2 et un reverse proxy. Et effectivement, en termes de systemd, oui, la configuration, il y a une configuration systemd qui est créée. Comme ça, je gère les conteneurs avec des services systemd. Et en fait, chaque service s'appelle container-nom du conteneur.
Donc là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Je serais tenté de rajouter. À voir par quoi on va commencer la semaine prochaine. Est-ce qu'on décide de de faire une session de config Nginx? Ça permettrait de, comment dire, de varier un peu les plaisirs, j'ai envie de dire. Un truc qui serait pas mal serait de baser la config Nginx sur un truc qui s'appelle. Mince. H5BP, si je me rappelle bien. Hop là. Voilà. Donc en fait là c'est une. En fait ce truc là c'est une collection d'extraits de configuration pour aider plein de choses, notamment la performance, la sécu, s'assurer que voilà, les ressources sont servies correctement, blablabla. Je vous recommande d'aller jeter un œil d'ailleurs sur le GitHub H5BP de façon générale. Ils ont plein de dépôts. Il y en a un pour, il y en a un pour Nginx, mais il y en a un pour Apache, il y en a pour, voilà, pour plein d'autres choses. Et surtout, ça vient de HTML5 boilerplate.com. Alors, pourquoi un reverse proxy? Excellente question. L'idée, c'est que je vais vouloir. Pour le moment, alors pour le moment, effectivement, ça n'a que peu d'intérêt puisque pour l'instant, les deux conteneurs vont contenir juste du site statique. Donc c'est vrai qu'a priori, un seul conteneur et on s'embête pas, on fait du virtual hosting, tout ce qui est plus classique. Maintenant, pour le moment, on en est juste à faire des sites. Je mets juste des sites statiques pour avoir un truc à présenter. À terme, j'aimerais bien mettre des sites dynamiques. Pourquoi pas des trucs en PHP ou en Python si ça me chante. L'autre truc aussi, c'est que comme j'envisage comme voilà, j'envisage différents sites avec différentes technos, plutôt que d'avoir du virtual hosting et d'avoir tout qui est sur un même serveur, bah, je peux faire comme ça de l'isolation de ressources, en gros. Je segmente, pardon. La segmentation de droit aussi. Ça permet si jamais l'un des sites se fait poncer, ben normalement il vient pas. Sauf, encore une fois, sauf si quelqu'un qui ponce le site arrive à sauter d'un conteneur à l'autre ou à rebondir sur la VM, ce qui n'est pas impossible. Ce qui n'est pas impossible. Pour le moment, l'inconvénient, c'est que mes conteneurs tournent en mode privilégié. C'est un peu ennuyeux. J'aurais aimé l'éviter, c'est ce que je voulais faire au début. Et visiblement, en jouant avec le rôle officiel Podman, et surtout les services systemd, c'est pas vraiment gérable de le faire pour l'instant en tant qu'utilisateur. Mais je ne désespère pas que ça arrive un jour. Salut à toi Lemmings, j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, bienvenue toi et Tom sur la chaîne, puisque je vois que ce sont vos premiers mots sur le chat. Donc ouais, je vais vous envoyer ça d'ailleurs. Ça et les config Nginx. Hop. Et je vais aller les mettre aussi dans les liens du live. Hop. Hop. Bien, 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 bien. Eh ben, on va, je pense, s'arrêter là, puisque ça fait presque 2 heures que je suis en live. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup, Modfort, pour le follow. C'est très gentil à toi. Je vais donc en profiter pour vous rappeler que je stream habituellement. Tous les jeudis et tous les dimanches, les jeudis de 20h à 22h à peu près, et les dimanches de 18h à 20h.
je varie les sujets entre le jeudi et le dimanche. En gros, si jamais vous êtes intéressé particulièrement par ce projet-là d'automatisation de conteneurs, si vous ne pouvez suivre que les jeudis, c'est très bien parce que c'est que les jeudis qu'on le fait. Et ce que je vais faire à partir de dimanche, puisque j'avais un petit projet à base de Raspberry Pi que j'ai, relativement débroussaillé et terminé dimanche dernier, nouveau sujet qui va démarrer où on va faire jouer avec NetBSD. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez envie de découvrir un nouveau projet, un nouveau sujet depuis son premier épisode, ne manquez pas l'épisode de dimanche prochain. Ceci étant, je vous dis ça, mais il n'est pas garanti que je stream dimanche. Mais c'est pas grave parce que si je ne stream pas dimanche, je streamerai le début de ce projet NetBSD le dimanche d'après. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Si jamais vous voulez qu'on discute ensemble en dehors des streams, c'est très simple. Il suffit d'aller soit sur le Discord de la chaîne, donc vous avez l'adresse à l'écran, mais vous pouvez aussi faire point d'exclamation socials, et vous allez retrouver donc ma page perso, anotherhomepage.org, que je peux même vous afficher d'ailleurs, comme ça ce sera toujours plus sympa. Hop. Voilà. Non, c'est pas ça que je veux, c'est anotherhomepage.org. Hop. Voilà. Et vous retrouverez sur cette page toute ma présence sur les réseaux sociaux, notamment Mastodon, Twitter, Instagram, la chaîne YouTube associée à cette chaîne Twitch, et bien entendu le serveur Discord. Voili voilou, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais donc passer en mode écran de fin et je vais raider quelqu'un ce soir. On va retourner voir, je pense, Virtual Labs ou PDP Maker. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal ? Virtual Labs ou PDP Maker ? Parce qu'ils sont déjà, un certain nombre chez Virtual Labs. Alors, Nebet, je t'ai pas encore vu en ligne. Hop là. Mais je suppose que ça ne saurait tarder. Hop. Ah, PDP Maker plutôt. Troll mode. Eh on va aller voir PDP Maker. Allez. Ça se lancera juste après l'écran de fin, donc restez. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, je vous dis à bientôt, peut-être à dimanche, sinon à jeudi prochain. Ciao, ciao !